je voulais faire une petite vidéo sur la vraie liberté. Qu'est-ce que moi j'appelle la liberté? Et comment y arriver? Alors, pour moi, la liberté, c'est d'abord l'acceptation de soi. C'est accepter qui nous sommes profondément, avec toutes nos facettes. Et c'est une étape qui n'est pas toujours évidente, parce qu'on n'est pas parfait, et on n'est peut-être pas toujours comme les gens voudraient qu'on soit. Et c'est accepter que parfois on est peut-être un petit peu plus rude, parfois un peu plus expansif, parfois un peu plus introverti, parfois un peu en colère, parfois peut-être débordant d'énergie. Et c'est accepter toutes ces facettes de nous à chaque instant. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on veut appartenir à un groupe, on veut être aimé. Donc ce qui fait de nous, c'est que nous allons nous limiter, nous allons nous conformiser quelque part à une attitude à avoir, à une façon d'être qui n'est pas du tout la nôtre. Parce que nous sommes tous uniques et nous avons tous un peu nos multifacettes et on n'est pas toujours comme on devrait être pour la société, pour les amis, l'environnement, la famille. Et c'est vrai que moi, le plus beau cadeau que je me suis vraiment offert, c'est de pouvoir être moi, tel que je suis, avec toutes ces facettes et parfois complètement en déséquilibre, malgré que je suis dans la spiritualité, que je travaille sur moi, que je fais du développement personnel. Eh ben, j'accepte parfois de ne pas être en équilibre, être en colère, peut-être ne pas avoir toujours les bons mots, de simplement être ce qui se passe à l'instant T, quoi, simplement. Et je sais que c'est pas simple ce que je vous dis parce que on a été conditionné, programmé pour être dans une certaine voie, hein, avoir une certaine pensée, surtout pas trop penser différemment que les autres, parce que c'est toujours très mal perçu, on est très vite tagué de plein de mots, hein, quand on pense pas comme la majorité des personnes pensent. Et aujourd'hui, c'est vraiment tout doucement écouter cette petite voix à l'intérieur de nous qui veut juste s'exprimer. Et c'est vraiment cette voix que quand vous êtes arrivé ici sur Terre, vous êtes né, c'est cette petite voix-là qu'il faut vraiment écouter aujourd'hui. Alors, c'est pas qu'il faut, mais c'est vrai que plus vous l'écoutez, au plus elle sera sincère, au plus elle sera heureuse d'être entendue déjà, et puis pour pouvoir être incarnée et émanée comme elle a envie aussi cette petite voix. C'est vous en fait, c'est votre nature profonde qui s'exprime et qui aimerait parfois être un peu plus comme ça, voilà, qui oserait peut-être faire quelque chose qu'elle ne fait pas d'habitude. C'est sortir de ces boîtes, moi j'appelle ça vraiment des boîtes où on s'est mis dedans parce qu'on nous a fait croire qu'on était comme ça, où on a voulu être comme ça, où c'est une perception à un moment de notre monde qu'il fallait être comme ça pour être aimé, être accepté, appartenir à un groupe, appartenir à la famille. Parce que papa et maman, ben, ils aiment bien les petites filles intelligentes, donc je vais beaucoup lire, je vais parler avec des grands mots, je vais rester dans une certaine voie de gentillesse, je vais faire les études appropriées, et puis on se retrouve dans une voie aujourd'hui qui n'est pas la nôtre. Et c'est pas grave en soi, il n'y a pas eu de perte de... Parce que souvent on me dit, oui, mais si j'avais su, j'ai perdu beaucoup de temps. Il n'y a pas vraiment une perte de temps, je pense que c'est le chemin. On a besoin de se perdre hein, au début, parce qu'on a besoin de se trouver, et pour se trouver, eh ben, il faut essayer plein de choses. Et on a un petit peu, si vous voulez, le jeu est un peu truqué au départ parce qu'on nous a mis pas sur la bonne case. Hein. On nous a un peu dévié de notre case vraiment profonde, la case qui nous correspond le plus. Mais on a été un petit peu tronqué, on nous a un petit peu malmené. Ce qui fait que c'est pas facile parce qu'on ne sait plus qui nous sommes. On ne sait plus dans quelle voie on veut aller. On ne sait plus c'est quoi le sens de notre vie, c'est quoi, qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Parce qu'on a perdu ce lien du départ quand on est arrivé, qu'on savait profondément ce que nous voulions. Et donc la plus belle liberté pour moi aujourd'hui, hein, c'est me permettre d'être moi. Moi, tel que je suis, avec mes humeurs du jour. C'est juste simplement que... Je me pose la question quasi tout le temps, pendant la journée. Comment je me sens? C'est quoi ma météo énergétique? C'est quoi qui se passe à l'intérieur de moi? C'est plus ça, je pense, la vraie sagesse, c'est de pouvoir se remettre en question à chaque instant et d'aller voir à l'intérieur de soi, parce que tout part vraiment de l'intérieur. Quand on vit des choses difficiles autour de nous, tout part de l'intérieur. Dites-vous, qu'est-ce qui se passe pour que je vive cette situation-là? Qu'est-ce qui s'est réactivé en moi qui fait qu'aujourd'hui je le vis comme ça? Et plus vous vous posez cette question-là, au plus vous vous détachez du monde extérieur,
vous reprenez votre liberté quelque part, vous assumez votre responsabilité. Et au début, c'est pas toujours évident, parce que c'est plus facile d'aller voir la faute à l'extérieur, du « oui, mais c'est de sa faute à elle, c'est la faute de ma famille, c'est la faute de l'environnement, c'est la faute des gens, la mentalité, du gouvernement. » Et c'est simplement, mais pourquoi j'ai cette réaction-là? Pourquoi j'ai ces émotions-là? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça vient raviver? Et quand on se pose en fait sur soi les questions fondamentales et profondes, eh bien, on va commencer à faire des liens avec ce que nous avons vécu dans l'enfance, à des moments précis où on a été blessé, et on va vouloir aller libérer, guérir ça. Et la vraie liberté, elle est là. C'est quand on reprend son pouvoir, vraiment. Qu'on accepte, on s'accepte tel qu'on est, avec toutes nos parts de déséquilibre, d'être... on peut être tout. Et je sais que parfois je choque quand je dis ça, « Kathleen, t'es végétarienne. » Alors oui, je suis végétarienne et je mange de la viande de temps en temps. Alors dis-moi, mais t'es pas végétarienne. Bah, 80% du temps, je suis végétarienne, même un peu plus que 80%, je pourrais dire aujourd'hui peut-être 85%. Et dans 15% du temps, ben, je mange de la viande comme mon corps me le demande. Mais donc, t'es pas végétarienne. Oui, je suis végétarienne et je peux manger de temps en temps de la viande. Et si on mettait un petit peu plus de « et », d'union, et arrêtons de séparer les choses, oui, toi t'es végétarienne, toi t'es ci, t'es là, toi t'es extravertie, toi t'es introvertie. Je suis un peu de tout, en fait. Je suis ça et ça. Je peux être triste et puis 5 minutes après, être en joie. C'est ramener l'unité, vous voyez, arrêtons de séparer les choses. On peut être équilibré, puis un peu fofolle, parfois un peu à côté de la plaque. Et ça, c'est vraiment une belle liberté qu'on s'offre. C'est accepter qui nous sommes. Voilà la petite vidéo du jour. Je ne sais pas si vous avez aimé cette franchise. Je vais de plus en plus faire des petites vidéos comme ça, où je me sens appelée par une envie de vous communiquer quelque chose que moi, je vis profondément et de la façon que je le vis. Je ne sais pas si ça vous apporte des clés. Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à mettre en commentaire. Parce que moi, faire des vidéos pour faire des vidéos, ça ne m'intéresse pas. Mais si je peux un peu éveiller, un peu planter des graines, si ça vous parle, si ça peut un peu vous aider sur le chemin, eh ben moi, ma journée, elle est bonne. Voilà. Je vous fais plein de bisous.